Salut à tous les chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Et avant de la commencer, je tiens à vous dire que je l'ai tournée et montée avant que la décision de repousser la date de sortie de Disney Plus au 7 avril au lieu du 24 mars par le gouvernement français. Certaines choses, par exemple la date annoncée, ne sont plus d'actualité. Mais sinon, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Je vous souhaite quand même une bonne vidéo et à très bientôt. T'as vu le Disney? Kylian? Ça va? J'ai perdu ma vie sociale. Stop, arrêtez! Rendez-moi ma vie sociale, putain! On va absolument pas parler du coronavirus, ne vous inquiétez pas pour ça, mais rendez-moi ma vie sociale! Dans quelques jours, c'est la fin, c'est terminé! Ma vie sociale, elle est dead! Terminé, bonsoir! Non. Vous savez, à chaque fois je vous dis, ouais, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment qui sortent. Pourquoi? Parce que j'ai pas très envie. J'ai un manque d'aspi, je suis pas bien. Mais n'importe quoi! C'est clairement n'importe quoi! Et je crois qu'il est plus que temps de vous avouer la vérité. Bon, pour vous expliquer un peu, il y a quelques mois, un ami, et je t'en remercie d'avance si tu regardes cette vidéo, mais un ami m'a tout simplement prêté son compte Netflix, parce que je lui avais un peu demandé, hein. Et je me suis dit en même temps, ça va, c'est cool, ça va pas anéantir ma vie, c'est qu'un service de streaming, c'est bon. Mais quelle erreur! Oh, quelle erreur du joueur belge! T'as tu parles! Un jour, il y a un autre film qui sort, une fois il y a des nouvelles séries qui sortent, ensuite il y a une nouvelle saison de machin, et ensuite une autre d'un autre, et c'est fini! Je n'arrête plus! Mais ça va, ça va. Il n'y a que Netflix, c'est bon, tout va bien. Tu parles! Parce que, à côté de Netflix, il n'est pas tout seul, lui! Bah non, il y a encore plein d'autres des services de streaming! Ils sont pas là pour faire du badminton sur un champ de blé, hein! Qu'est-ce que je dis, moi? T'as Amazon Prime Video, avec leur série Hunter. T'as également la série C, pour le service de streaming Apple TV. Et c'est pas fini! T'as encore OCS, t'as encore HBO Max. C'est beaucoup trop! Et enfin, celui qui arrivera le 24 mars prochain et qui tuera définitivement. En même temps, c'est logique, hein, parce que si tu tues, c'est généralement définitif. Mais il est là à nous observer tous les jours avec ses grandes oreilles noires et son pantalon rouge, et carrément un chien. Promène à notre chien. C'est devenu un bordel! Vous l'avez sans doute compris! Il s'agit de Disney Plus! Merci Mickey! Je suis content que tu sois là! Non, il arrive comme ça, avec son petit sac à dos, avec ses 500 films et 300 séries. Coucou, c'est moi, je suis Disney! Je ne suis pas tout seul! Eh ben oui! Si seulement il n'y avait que Disney, ça aurait été facile! Eh bien non! Tu sais pourquoi? Parce que à côté de Disney lui-même, tu as Star Wars! Bon, voilà. T'as Pixar! T'as National Geographic! Lui, il est apparu, on sait pas d'où, mais il est là en tout cas. T'as Marvel! Et c'est pas fini! C'est pas fini! Souvenez-vous, Disney a racheté la Fox! On est mort! Putain, c'est pas bon pour notre vie sociale ça! Quoi? Pourquoi? Vous savez, la Fox possède l'une des meilleures séries du monde, l'un des meilleurs dessins animés, l'une des meilleures familles de toute l'histoire du cinéma! Les Simpsons! Oh putain, merde! Voilà, Disney Plus a décidé de mettre les 30 saisons des Simpsons sur la plateforme directement. Ce qui fait, du coup, 600 épisodes, sachant que un épisode des Simpsons, ça va environ entre 20 et 25 minutes, mais prenons 20 minutes. 20 minutes fois 600, ce qui fait 12 000 minutes. Maintenant, divisons par 60, ce qui fait 200 heures, et 200 heures divisé par 24, ce qui fait 8,33 jours des Simpsons. Là, en ce moment, on peut dire qu'on a un peu le temps de faire tous les Simpsons d'un coup. Mais 8,33 pour juste une seule série. Parce que oui, les Simpsons n'est qu'une petite série, hein, toute mignonne. Mais à côté
de ce Simpson-là. Disney possède 500 films et 300 séries. Putain. Oh la vache. Du coup, regardez un peu ça. C'est beau, hein? Ouais, bah oui, hein? Il s'agit d'un sixième de ce qu'il y aura sur Disney+, lors du lancement en France. Un sixième. Maintenant, si nous rassemblons tout le contenu de Disney+, lors du lancement en France, c'est ça. On est foutu, parce que j'y ajuste avec le coronavirus. On va sûrement prendre un petit abonnement Disney+, hein. Je pense que Disney va tout simplement mourir, hein, en termes de connexion. Parce que si on est 500 millions d'utilisateurs connectés simultanément sur Disney+, le service de streaming va exploser. Et du coup, nous aurons enfin notre vie sociale. J'ai trouvé un nouveau plan. Ça va, je vais bien, je vais bien. Quand je vous ai dit que ça, c'est 500 films et 300 séries, mais à côté de ça, tu as également 26 nouvelles créations eh bien, de Disney qui vont arriver durant les prochains mois, les prochaines années. Bah déjà juste, t'as Loki, t'as WandaVision, t'as le Soldat d'Hiver et Falcon. Enfin bref, t'as encore beaucoup d'autres séries Marvel, mais à côté de ça, tu as également des nouvelles séries Star Wars, hein, bientôt la saison 2 de The Mandalorian, hein, qui est pour moi une très 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 bonne série. Mais à côté de ça, t'as quoi? C'est un bordel. Parce que j'ai commencé à regarder une fois un petit peu High School Musical. Ouais, j'ai commencé, ouais. Ah bah c'est sympa, c'est pas mal. Disney va nous balayer. Ça va être horrible. Disney va devenir clairement un Netflix encore. Bah écoutez, on m'a dit dans l'oreillette que Netflix va un peu se venger. Comment ? En essayant de faire plus de productions possibles que Disney. En essayant d'avoir du coup plus de films et plus de séries que Disney+. On est définitivement éradiqué de la planète. Vous savez dans Wall-E, les gros hommes qui sont devant leur écran dans l'espace, eh ben on est pareil, on sera pareil, c'est terminé. Sinon, blague à part, Disney+, reste quand même un service de divertissement. Ne restez pas cloîtré sur votre divan ou siège ou quoi, regardez Disney+, parce que, clairement, c'est pas bon. C'est pas bon de rester genre toute la journée devant Disney+, ou quoi. Bien que en ce moment, à cause du coronavirus, bah, c'est un petit peu, on se sent un petit peu obligé. Faites des choses à côté, hein, faites du bricolage, faites des dessins, faites quelque chose. Mais sinon, Disney, comme je vous l'ai dit, reste un moyen de divertissement. Personnellement, ça va me faire retomber dans l'enfance. Ça va faire ou refaire découvrir des choses aux petits et aux grands. Donc même si Disney+ va un peu détruire notre vie sociale, ils ne l'auront pas totalement. Pourquoi? Parce qu'on se battra jusqu'au bout. Nous sommes des chasseurs. Nous allons pas nous laisser abattre face à cette petite souris et son petit pantalon rouge comme ça là, à nous regarder avec ses gros yeux globuleux. On ne se sentira pas obligé à rester cloîtré dans notre divan face à cet apocalypse. Nous sommes des chasseurs, putain. Nous allons être à fond. L'abonnement est à 7 euros. Merde. Mais bon, ça va, un petit épisode de temps en temps, hein, ça change rien. C'est pas comme si c'était mon 655e. Ah merde !